We will the women will join us. Okay. And at 16:30 we start. Okay. Okay. And we are streaming on YouTube. Oh really? Okay. So Mary, Mary is there... you're on YouTube, you didn't know. I didn't know. First time on YouTube. Yeah. Huh? Ja. Kannst du mich nicht zum Host machen, damit ich kann sehen, wer rein will? Maya ist sehr gut. Heidi Behringer kenne ich noch nicht. Also Maya ist sehr gut. Heidi Behringer kenne ich nicht. Ich sehe ich jetzt, wenn jemand sich anmeldet. Ja, gut. Genau. Hallo Maya. Can you hear us? Salut, yes, I'm there. Salut ma chère, on va parler français? Ah, très bien. Et allemand. Et puis Mary est déjà là. Peut-être tu peux la voir si hey, tu Maya. Veux. Hallo. Salut Mary. Salut Maya. Enchantée de vous voir. Est-ce que vous avez vu ma belle masque? Magnifique. Je vais l'enlever après. Oui. Naturellement. Parce que c'est très important que nous respectons toutes les règles. Il est nécessaire que les femmes protègent leur santé. Tout à fait. Maya, tu es... Ah, voilà. Chargé un fond d'écran. Je cherche juste à télécharger un fond d'écran CH2021, comme ça fait moins que la chambre d'hôtel. C'est pas... I will close my door here. Je reviens tout de suite, j'essaie, je fais 2-3 essais. Tu entends un bruit? Non. Non, c'est bien. Parce tout que je bien. Suis dans le grand hall à la Reithalle. Mm-hmm. Peut-être ça joue. Oui, c'est parfait. On t'entend très bien. Voilà. Jetzt sehe ich einen. Daniela Lassen. Super. Heidi Behringer. Wir haben dich noch nicht gesehen und hören dich auch noch nicht. Aber Daniela, das ist natürlich super. Hallo Daniela. Hallo. Ah, jetzt ist wieder jemand weggefallen. Hallo?
Maria, von dir haben wir kein Bild und keinen Ton. Und von C. Binswanger sehen wir auch nicht, wer das ist. Voilà. Hallo. Vu? Come state? How are you? Molto bene, grazie. Tu? Sì, grazie. Sono contenta che ha funzionato subito la prima. I'm glad it worked at the first attempt. On va parler français ou bien italien ou bien allemand? Ok. Alors, Dieu sait. Est-ce que Frau Heidi Behringer, C. Binswanger und Cécile Speitel peuvent montrer leurs photos? Ça serait gentil. Also. Hallo, schön. Eine Freude. Also, il est 16h31 et j'aimerais bien ouvrir notre discussion. Es ist schon 16h31. Und ich würde gerne unsere Runde eröffnen. Es ist so, dass ihr seht, vous voyez que j'ai une masque CH2021. Und das ist, diese Maske ist natürlich eine große Freude für unseren Verein, aber für die Diskussion werde ich sie jetzt ausziehen. Ich freue mich, dass ich von Verein CH2021 diese Runde eröffnen darf. Parce que l'association CH2021 s'occupe de la préparation pour le jubilé des 50 ans de suffrage féminin en Suisse. Also wenn wir 2021 sind, werden wir 50 Jahre Frauenstimmrecht haben in der Schweiz. Und das war der Grund, weshalb wir diese Diskussion hier in diesem Zusammenhang führen möchten. Nous sommes ici à Berne, dans le cadre de la session extraordinaire féministe. Et je suis dans le grand hall avec le headset. J'espère que ça joue avec vous. Wir sind auch auf Livestream, auf YouTube. Via Facebook, YouTube kann man uns direkt mitverfolgen. Et j'espère que nous avons un grand auditorium. Et moi-même, en tant que maîtresse de cette discussion, je ne suis pas les discussions sur YouTube, mais peut-être si vous avez envie, vous pouvez vous renseigner. Wenn jemand den Livestream auch schauen will und da die Kommentare sehen möchte, kann sie das gerne. Ich werde das nicht tun, weil ich mich hier um die Diskussion kümmere. Je peux vous présenter deux intervenantes. C'est Mary Mayenfisch et Maria Luisa Parodi. Ces deux sont membres de notre comité de l'association CH2021. Die beiden Frauen, Mary Mayenfisch und Maria Luisa Parodi, sind Mitglieder des Vorstandes unseres Vereins. Und sie werden ihren Inputs machen und dann mit der Runde der Diskutantinnen in den Austausch gehen und schauen, was von ihren Überlegungen wird geteilt,
Und wo habt ihr auch Ergänzungen? Et puis, nous avons aussi Maya Dougou avec nous. Elle est aussi membre de notre comité. Elle va répondre aux questions dans le chat. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Wenn ihr also Fragen habt, könnt ihr die gerne im Chat stellen. Heidi Behringer hat zum Beispiel bereits eine Mitteilung gemacht und auch Frau Binswanger. Alle diese Möglichkeiten des Chats würden wir gerne nutzen und ich würde gerne mit folgendem Input starten. Wir hatten als Thema 50 Jahre Frauenstimmrecht in der Schweiz, 50 ans de suffrage féminin en Suisse. Comment les femmes peuvent prendre leur voix? Wie können Frauen gehört werden? Wie können wir versuchen, dass wir wichtig genommen werden? Eine Feststellung, die wir hatten, war, dass 1971, als die Frauen das Stimmrecht bekommen haben, die Parteien gefunden haben, der Sport gefunden hat, die Kirche gefunden hat. Es geht einfach alles so weiter wie bisher. Tout le monde pensait après, mais peut-être pas tout le monde, mais les grands partis, des partis de l'Église, du sport, de la culture, pensaient après 1971 que tout déroule comme avant. Sauf que les femmes peuvent avoir le droit de vote. Also, es geht weiter wie bisher, aber die Frauen stimmen einfach mit. Und diese Vorstellung, dass Frauen einfach mitstimmen und sich nichts ändern, diese Vorstellung geht davon aus, dass eben die Frauen nicht gehört werden, dass es keinen Unterschied macht, ob die Frauen reden oder nicht reden oder das, was sie sagen, nicht das gleiche Gewicht hat wie das von den Männern. Et cette situation d'avoir cet obstacle, de toujours dire « mais nous avons maintenant le droit, vous devez nous écouter, c'est maintenant le temps d'écouter aussi les femmes, avoir l'écoute aussi aux femmes », ça c'est spécifique et il faut vraiment le discuter. Quelles sont les difficultés que nous rencontrons et comment les femmes ont fait de se faire sentir. Es ist also interessant zu schauen, was haben denn die Frauen gemacht, dass sie sich Gehör verschafft haben seit 1971? Was ist ihnen gelungen, mit welchen Methoden? Und wo stehen wir heute? Was sind die Schwierigkeiten, die wir jetzt haben, dass Frauen gehört werden? Alors, voir comment se sont développées les choses, quelle expérience les femmes ont fait, et puis les questions qui se posent encore aujourd'hui, comment les femmes peuvent se faire entendre. C'est le thème aujourd'hui. Und die Situation, dass immer wieder darauf verwiesen wird, es sei ja nicht so wichtig und irgendwie seien auch die Interessen der Frauen mit gemeint. Diese Situation, der begegnen wir immer wieder. Und das aktuellste Beispiel ist Corona. L'exemple actuel, c'est la crise Corona, parce que nous avons vu qu'une majorité, une grande majorité d'experts se sont prononcés et puis les questions qui révélaient les femmes n'ont pas le poids que nous espérons et que nécessitent aussi ces questions. Et la question, c'est comment se faire entendre? Qu'est-ce que
vous pensez, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous espérez, comment nous pouvons procéder. Ich habe jetzt versucht, so ein bisschen konsekutiv Französisch-Deutsch zu sprechen, weil nicht alle, die dabei sind, Deutsch verstehen. Und ich hoffe, dass entweder Deutsch oder Französisch verstanden wird. Und wir versuchen, es ist einfach so, wer also etwas nicht versteht, soll das bitte im Chat melden oder die Hand aufhalten, damit wir das eine oder andere übersetzen. Wenn ihr jetzt einverstanden seid, dann würde ich gerne das Wort einmal an Mary Mayenfisch geben. J'aimerais bien passer la parole à Mary Mayenfisch pour qu'elle nous fasse une idée de réflexions qu'elle a déjà fait sur ce thème. En tant que revue du passé, mais aussi dans la situation actuelle. Et je vais fermer mon micro et je donne la parole à Mary. Bonjour tout le monde. Je ne sais pas par où commencer parce qu'il y a tellement à dire. Moi, je suis irlandaise. Je suis arrivée en Suisse en 1987. Et à ce moment-là, je ne savais pas avant d'arriver, j'étais officiellement sous la tutelle de mon mari. Ça, j'ai compris bien plus loin, en fait, plus tard. Si j'avais su à l'époque, je ne sais pas si je serais ici aujourd'hui. Mais c'était un moment pour moi, je suis irlandaise, assez compliqué parce que je viens d'un pays qui est assez matriarcal. Je suis arrivée là et je trouvais un peu complexe pour commencer. Je suis avocate de métier, j'avais fait le droit en Irlande. Je suis arrivée là et je ne savais pas exactement ce qui était en face de moi. Allons un petit peu plus loin. En 1995, j'ai fait mon LLM à l'Université de Lausanne. Et j'avais écrit mon mémoire sur l'égalité en regardant la communauté européenne et l'Irlande. Et c'est ça que je vais vous parler un petit peu plus loin, parce que ça un petit peu met en place mes idées par rapport à beaucoup de choses que j'ai fait après ici en Suisse. Au niveau de mes expériences et mes observations, en tant que quelqu'un qui venait de l'étranger, j'étais étrangère moi-même. Je trouvais extrêmement difficile de me faire entendre, pas seulement comme femme, mais aussi du fait que je suis venue d'ailleurs. Et je remarquais à l'époque, dans les médias, que c'était intéressant de voir comment on posait les choses. Donc, moi, j'étais toujours choquée de voir, on mettait toujours les âges, qu'on parlait des gens toujours des étrangers. Les choses comme ça m'ont beaucoup frappée. Je trouvais extrêmement difficile de savoir comment m'intégrer en Suisse. Et je commençais quand même en prenant contact avec les groupes des femmes. Donc, peut-être vous connaissez bien le BPW, le Business and Professional Women. Je commençais avec eux il y a au moins 15 ans. Et là, je commençais un petit peu à voir la problématique qu'on avait ici, surtout par rapport au travail qui a été fait et qui est fait toujours au niveau de l'égalité des salaires. Donc, je suis sûre, vous connaissez l'histoire du Equal Pay Day qui se passe chaque année en toute la Suisse, qui a été commencé par le BPV, où depuis 9 ans, j'étais en train d'aller dans les rues pour essayer d'avoir les salaires égaux. Qu'on n'a toujours pas. On est environ, je pense, 16% aujourd'hui. Mais j'ai aussi commencé à beaucoup travailler avec le CLAF, qui est l'équivalent de Frauenzentrale chez vous. Et je suis devenue présidente en 2010. Et là, ce que j'ai essayé de faire, je voyais bien qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient en toute la Suisse, mais on ne savait pas les unes les autres ce que faisaient les gens. Et je ne parle même pas de canton à un autre canton. Donc, moi, je vis dans le canton de Vaud, et dans le canton de Vaud, on a aussi été en train de parler beaucoup par rapport aux femmes en politique. Donc, le CLAF, le Frauenzentrale, avec l'Association Droits de la Femme, on a mis en place, en canton de Vaud, politicien.ch, où on travaille avec environ 120 femmes en politique
pour essayer d'aller à l'avant toutes les femmes en politique de toutes les partis différents pour essayer de mettre en évidence les problématiques des femmes. Mais aussi, moi, il y a une chose où j'insistais toujours, surtout quand j'étais dans la rue pour parler avec les gens par rapport au salaire égal, je disais, on n'est pas en train d'une problématique des femmes, c'est une problématique pour la société. Parce qu'à l'époque, on parlait toujours problème femmes. Je disais non. Et je me souviens une fois, on était à l'UNIL de Lausanne et je disais aux jeunes étudiants, mais écoutez, s'il y avait 20% de plus pour les femmes, vous pouvez aller faire du ski une fois par semaine. Et puis ils ont dit, ah oui, ça c'est intéressant. Donc, je trouvais à l'époque que c'était nécessaire de changer la façon dont on était en train de discuter et de voir ces sujets. Une autre chose qui m'a vraiment frappée, c'était le manque de connexion, de lien entre les politiciens locaux et les multinationales ou les business qui étaient en train de faire des choses très intéressantes. Une raison pour ça, pour moi, c'était aussi le fait qu'on vit dans les mondes parallèles en Suisse. On a les gens qui viennent du monde multiculturel, multinational, et on a les gens qui vivent comme moi je vis avec une mari suisse, des enfants d'ici, et il n'y avait pas de pont entre les deux mondes. Et tandis que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses intéressantes qui se passaient dans les grandes entreprises, c'était pas en train de se montrer dans le niveau local. Donc, en tant que présidente de CLAF, moi, je passais beaucoup de temps à parler avec les gens de multinationales. Et quelques années plus tard, et voilà, une autre expérience, on m'a demandé de faire partie dans le canton de Vaud, de la commission cantonale de l'égalité, consultative de l'égalité, où on travaille beaucoup avec le bureau de l'égalité. Et en ce moment-là, c'était possible d'inviter les gens des multinationales IKEA ou d'autres qui étaient en train de faire des choses très intéressantes au niveau de le congé paternité, inviter de venir parler avec les gens dans le canton de Vaud. Donc, mes expériences, c'était un petit peu ça. La problématique entre local, global, la problématique de l'intégration en tant que femme qui vient d'ailleurs, et le problème de se faire entendre en tant que quelqu'un qui avait un discours qui était un petit peu différent. Et c'était ça pendant plusieurs années. Je trouve que je ne peux pas parler pour toute la Suisse ou tous les cantons en Suisse, mais je trouve dans le canton de Vaud, ça change un petit peu quand même. Si je vois, moi, ici en 1987 et maintenant, il y a beaucoup de changements. Mais quand même, on vit dans un monde où on a une problématique au niveau de salaire égal et les opportunités égaux aussi. Il y a une chose qui m'a vraiment frappée récemment, et je parlais avec Madame Pong de ça, c'est le fait que la loi sur l'égalité en Suisse, c'est là depuis 1996, mais j'ai vraiment l'impression que les gens, ils ne comprennent pas du tout que cette loi est là, et ce n'est pas en train d'aller à l'avant extrêmement rapidement. Et quand je regarde le travail que j'avais fait par rapport à l'Irlande et la communauté européenne et la même problématique qu'on vit ici en Suisse, j'ai remarqué que la seule chose qui a changé l'Irlande, c'était le fait qu'on appartenait à la communauté européenne. Et chaque fois où le gouvernement irlandais ou les juges irlandais ou les avocats irlandais ne voulaient pas aller l'avant, ne voulaient pas savoir que ces lois existaient, on avait en Irlande des gens d'avocats comme Mary Robinson, que peut-être vous connaissez bien, notre première femme présidente irlandaise, avocate, qui était aussi la première femme chef de haut commissaire de droits humains à Genève. Et elle allait tout le temps plus loin pour changer ce qui se passait en Irlande. Donc, ce qui m'a frappée aussi, moi je suis dans l'éducation, j'étais prof à l'école hôtelière de Lausanne, je donnais les cours à l'HEG. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire par le moyen de l'éducation. Et je vais juste vous dire, par exemple, dans la commission cantonale de l'égalité, on a beaucoup fait avec le bureau de l'égalité pour parler avec les gens dans les hautes écoles pédagogiques, pour voir comment on peut changer l'éducation au niveau des jeunes dans les écoles. Parce que si on ne change pas la façon dont les jeunes sont éduqués, eh bien, qui change? On a aussi parlé avec les gens dans le canton de Vaud, dans l'orientation des jeunes garçons, des jeunes filles, pour que ça change aussi.
On a aussi beaucoup travaillé avec certaines organisations ici, à l'EPFL, les jeunes ingénieurs qui veulent voir un autre monde. Donc, pour moi, si on veut que les choses changent, il faut vraiment aller profondément dans l'éducation, l'éducation des jeunes, l'éducation des associations de femmes en business, parce que j'ai compris aussi, il y a beaucoup de femmes qui ne comprennent pas que la loi existe ou bien que c'est applicable, parce que, comme vous savez bien, il y avait une loi qui était passée récemment où si on a plus de 100 employés, il faut dire exactement combien on paye les hommes et les femmes, il faut que ça soit transparent. Et puis, 4 ans plus tard, il faut faire ça de nouveau. Et c'était, quand j'ai entendu parler de ça, j'étais assez choquée. Je me dis, tiens, mais on a les lois qui vont beaucoup plus loin. Comment ça se fait qu'on est satisfait avec quelque chose qui n'est vraiment pas du tout adéquat? Donc, pour moi, il faut beaucoup plus d'éducation par rapport aux lois qui existent déjà. Je viens de lire le rapport qui a été fait en 2017 par rapport aux lois sur l'égalité. Et il y a beaucoup de problèmes par rapport à ces lois. Les juges ne sont pas en train d'appliquer la loi sur l'égalité. Les avocats, peut-être, ils ne savent pas du tout que c'est là. Moi, je ne sais pas. Donc, il faut peut-être beaucoup d'éducation dans les universités à ce niveau-là. Les associations pour les ressources humaines, ça serait bien de les expliquer aussi. En 2012, je pense que vous savez qu'il y avait une jurisprudence du tribunal qui disait Dans les cas où il y a des problèmes dans les entreprises, ça serait bien d'avoir les médiations. Donc maintenant, on a les personnes de confiance qui peuvent être très utiles dans le genre de problème qu'on voit souvent. Moi, j'étais choquée, mais je ne sais pas, par une amie qui m'a dit que sa fille qui travaille dans une grande école à Lausanne, le jour où elle revient de son congé maternité, on l'a mis à la porte. Et ça arrive souvent. Et je pense qu'il faut vraiment que dans l'éducation, que ces choses soient claires pour tout le monde. Donc, il y a souvent, apparemment, le droit du travail qui est regardé, mais pas le droit sous la législation pour l'égalité. Donc, pour moi, l'éducation tout le temps. Et je pense que je vais arrêter là parce que j'ai un petit peu, au niveau du corona, c'est clair, tout le monde sait. Ici, dans le canton de Vaud, c'est les hommes qui ont pris la parole. Ça, j'ai entendu par quelqu'un qui travaille dans le métier. Tandis qu'au niveau global, on voit bien que c'est souvent les femmes qui ont pris le leadership et qui ont fait un travail extraordinaire. Mais en même temps, voilà, on est dans la situation où on est. On sait très bien, dans le front line pour le corona, c'était pour la plupart des femmes, n'est-ce pas? Et puis ici, j'ai beaucoup de collègues qui me disent qu'on n'est pas en train d'aller en avant grâce ou bien à cause de cette situation qu'on vit maintenant. Mais je pense que je vais rester là et vous pouvez revenir parce qu'il y a tellement de choses à dire. Je ne savais même pas par où commencer, mais je pense que peut-être ça commence le discours. Yeah, merci, Mary. J'aimerais bien faire un petit résumé en allemand, damit wir schauen, haben. Tout le monde aura la possibilité de poser des questions aussi à Mary. Also ihr könnt gerne auch an Mary noch weitere Fragen stellen. Ich habe von Mary gehört, dass einerseits die internationalen Bezüge wichtig sind, dass wir die ernst nehmen und auch nutzen, verstehen, was am einen und am anderen Ort geht. Und in der Schweiz ist schon Interkantonalität eine ganz wichtige Geschichte. En Suisse, ce n'est plus plutôt aussi l'intercantonalité qui est très important, pas que l'internationalisé. Und eine weitere Geschichte, dass du feststellst, dass ganz viel Wissen fehlt. Also dass die Informationen gar nicht da angekommen sind, wo sie ankommen müssten. Also dass wir uns nicht Gehör verschaffen können, schon nur über die Rechte, die wir eigentlich hätten, aber dass die nicht wahrgenommen werden, weil es auf der Ebene der Richter,
der Anwälte, Anwältinnen auch fehlt, dass die wirklich verstanden haben, was eigentlich los ist. Jetzt bin ich natürlich gespannt. Je suis très curieuse ce que vous en pensez. J'espère que vous avez des commentaires et puis des exemples ou bien vos propres expériences. Also ihr seid eingeladen, jetzt zu kommentieren, zu ergänzen, eigene Erfahrungen einzubringen. Und ich frage in die Runde, wer da gerne das Wort ergreifen möchte. Bitte ein Zeichen auf dem Bildschirm oder dann digital unten mit der blauen Hand, sodass ich sehe, wer etwas sagen möchte. Wem darf ich das Wort geben? Oder eine Frage an Mary Mayenfisch. Wer hat Lust, etwas zu ergänzen? Oder eine Kritik anzubringen? Mary hat ja noch ergänzt, ich habe begonnen mit dem Thema, dass die Frauen in der Schweiz seit 1971 mitreden dürfen. Und Mary hat dann das weiterentwickelt und gesagt, ja, wir haben in der Zwischenzeit auch ein paar mehr Rechte. Die Frage ist, wie werden die umgesetzt und wahrgenommen? Auch das ist natürlich ein Thema von Gehörtwerden. Maya, du hast aufgestreckt. Oui, il y a une question pour toi, Mary, dans le chat. Qui a été posée en anglais. Je la traduis rapidement. Marie, quel a été le grand changement que tu as vécu en Suisse depuis ton arrivée? Grand changement. Ça, c'est une grande question. Je pense que la diversité, quand même, dans la commission cantonale consultative de l'égalité dans le canton de Vaud, c'est mon sixième année de faire partie de ce groupe. Et au début, j'étais le seul étranger. Et il y avait un homme et moi. On était 13, un homme et moi, et puis on se regardait parce que nous, on était vraiment la diversité dans la salle. Maintenant, dans cette même commission, on est 4 femmes, 2 Irlandaises, une Roumaine et une Brésilienne, qui est aussi le chef de l'égalité à l'UNIL, à l'Université de Lausanne, et 3 hommes. Et je pense que plus on voit ce genre de changement, plus le monde va changer ici pour nous. Ça, pour moi, c'est très positif. Je n'ai pas la même impression que je suis toujours en train de dire les choses où les gens me regardent avec les grands yeux. Au niveau des femmes en politique, je pense que ça change un peu. Il y a des jeunes femmes maintenant, on a les partis qui ont changé, on a des jeunes femmes comme Léonore Porcher et d'autres qui sont en Conseil national. Et puis une chose qu'on a fait, on a mis en place en canton de Vaud, les femmes en politique, politiciens.ch. Et notre objectif dans les élections il y a quelques années, c'était d'avoir 10 femmes et 10 hommes. Et on a réussi avec 9 qu'on trouvait assez bien. Donc à ce niveau, je pense qu'il y a des changements, oui. Au niveau international, national, pas assez, je pense. Moi, je n'ai pas vu beaucoup de femmes en politique qui vont vers les multinationales pour avoir un discours par rapport à qu'est-ce qu'ils font que nous, on peut faire ici. Je n'ai pas beaucoup vu de lobbying par les multinationales pour avoir en place ici ce qu'ils veulent. Parce qu'il y a beaucoup de multinationales, je les ai entendues, qui veulent avoir la possibilité de garder les femmes dans le monde du travail, d'avoir les femmes dans le conseil d'administration. Mais pour moi, une grande problématique, même dans certaines associations femmes où je suis, c'est qu'on parle des choses que moi, je veux être dans le conseil d'administration, mais on n'a pas de crèche, n'est-ce pas? J'ai vécu ça moi-même avec mes 2 enfants où je devais vraiment faire tout pour pouvoir organiser ma vie. Moi, j'ai une amie récemment, ça c'est vraiment un exemple qui m'a choquée. Elle a un bachelor et elle a fait son MBA ici
Elle avait un petit enfant, elle a arrêté parce que son employeur n'était pas prêt de lui donner la possibilité de travailler à 80%. Donc, elle devait arrêter parce qu'elle n'a pas de famille ici, elle vient du Portugal. Elle n'est pas dans le canton de Vaud, elle est dans le canton de Fribourg. Et elle devait quand même demander le travail parce qu'elle était au chômage, parce qu'elle n'arrivait pas à suivre. Et on l'a demandé si elle voulait faire le repassage. C'était une femme avec un bachelor et un master. J'étais complètement choquée. Donc, il y a des préjugés au niveau des nationalités qui existent toujours. Il y a des employeurs qui ne sont pas prêts à laisser les femmes travailler un autre pourcentage. On n'a pas de crèches, assez de crèches. Les crèches sont chères. Sans crèche, et ça, j'ai entendu, on a fait venir dans le canton de Vaud la femme qui a organisé la grève en Islande. Et je lui ai dit, mais comment est-ce que vous êtes arrivée où vous êtes en Islande? Elle a dit, les crèches, on a des crèches, première chose. Et deuxièmement, on a commencé à mettre vraiment dans l'éducation des jeunes filles et garçons au niveau du genre. Donc, elle m'a dit, sans ça, on n'aurait jamais arrivé où on est maintenant. Donc, il y a des changements, mais pas assez. Ja, vielen Dank, liebe Mary. Ich glaube, die Frage, was unterscheidet die Situation in der Schweiz von den anderen Ländern, ist natürlich eine wichtige. Und die Betreuung der Kinder ist immer ein Thema, nicht nur für die erwerbstätigen Frauen, sondern überhaupt für die ganze Gesellschaft. Maya, hast du noch eine weitere Frage? Oui, je rapporte encore une fois dans le chat, il y a une étude de l'Université de Saint-Gall qui a été publiée récemment. La question étant, est-ce que tu en as pris connaissance et que pourrais-tu dire à ce sujet? Je savais qu'il y avait quelque chose, je commençais à le lire, mais je peux pas donner, j'aimerais bien le voir. Pour donner un feedback, je sais qu'à Saint-Gallen, il y a des choses qui se font au niveau de ces études-là. Vielleicht kann uns C. Binswanger etwas dazu sagen. Du musst das Mikrofon noch freischalten. Okay, sorry. Yes, so it's my colleague Gudrun Sander and her center, the CCDI, the Center for, what is it? Competence Center for Diversity and Inclusion. We do every year a conference which is really oriented towards diversity management in Swiss entrepreneurship, very broad. And I think what I just realized again, listening to you, Mary, that also the German-speaking part and the French-speaking part in Switzerland are not extremely well connected on these topics, so that we really need all these network structures to enforce them more and more. I mean, we really try to do some of the work you mentioned at St. Gallen University, like I am a lecturer in the so-called contextual studies, so the students can choose topics like inequality, diversity management, femininity in Switzerland, and so on. And it's also, I'm here because next week we will have a meeting in a working group about 50 years of the right to select in Switzerland, and what kind of events do we want to organize next year at St. Gallen University. So I thought I have to connect with Tita. I know you do something at Zurich University quite soon as well, but so how can we connect what we do? How can we know about each other, who is doing what? And also results, like I think the work they do at the CCDI at our university is one part of a good practice, because they really go into firms, into their, I don't know. Jetzt bist du gerade erstarrt. Oh, okay, my internet. Ich höre nichts mehr. Sorry. Can you hear me again? Mm-hmm. Okay, sometimes my internet... Ich weiß nicht, wie es den anderen geht. I think the others not, they can hear me. So it's often a question of internet connections. Yeah, and that's why I take away the picture when I'm only listening, because then it's a little more stable. So I'm sorry, I'm just at home. Yeah, but maybe this kind of network
working. And I might also tell you that we have the national think tank called National Think Tank Gender and Diversity. It's university led so far. We are just writing a new application to Swiss universities for another 4 years. And we are also looking for people for the so-called Trägerschaft, so also practitioners. And we really try to enforce the network structure in Switzerland, because I think if we want to be a little bit more heard, like we really need to do networking and we need to, put all our energies together. And we really want to make use of the next year, of the 50 years of the right to vote, to enforce again our voice and say, we had Corona, we need to be heard better. We need to have equal pay. We need to pay care workers better, and so on. So yeah, I very much agree, but just to say, yeah. Okay. Thank you very much. I didn't know, I heard your professor, your friend Gudrun before. I knew St. Gallen was doing interesting things. And I think there is a problem with the connection, but I do think that everybody should be looking at the laws. I know Maya, there's a lawyer, she and I talked about it yesterday. We have a legal structure in place that is not being complied with. And I think a big problem, I was law professor in the École Hôtelière de Lausanne. And one thing I realized was we need to be much more interdisciplinary if we want to find answers to anything. And we're not succeeding in that interdisciplinarity. So I think the legislation should be taken out, looked at by more people than lawyers, you know? That's the basis of change. I'm a lawyer, so that's what I'm saying. Yeah. So I hear that we changed language. Yes, sorry about that. Easier for me, of course. It's easy for you, Barry, of course. But I would like to come back to German and French. Vielen Dank für diese Erläuterung. Selbstverständlich machen wir alles in allen Sprachen so gut wir können. And I would like to share a very important example for networking and connections between, for example, between women. When we had a revision of the AVS, oh, why do I speak English now? quand nous avons eu la révision de l'AVS, la neuvième, c'était de la part du Parti socialiste Gret Haller et de la part de la FDP, les libéraux, c'était Lydia Napolz-Heidegger. Ces deux femmes ont travaillé pour établir le Kinderbetreuungsbonus et den Betreuungsbonus für Alte und den Kinderbetreuungsbonus für die Kinder. Et ce système a vraiment changé la structure de notre AVS et a augmenté les rentes pour les femmes. Et c'était possible seulement parce que ces deux femmes ont lobbyé dans leur parti envers les hommes de leur parti pour avoir le soutien pour un système nouveau. Et c'est incroyablement difficile de faire ça, et elles ont réussi. Et pour ça, je joins les réflexions de Madame Binswanger, que les liens entre les femmes des différents milieux, des différentes professions, de différents thèmes sont tellement importants pour avoir un progrès. De ne pas rester dans sa propre soupe, mais
de vraiment discuter des possibilités qu'on n'a peut-être pas encore pensées. Est-ce que vous avez encore des commentaires pour Mary Mayenfish ou bien des questions à elle? Merci à Maya pour ses travaux dans le chat. C'est très agréable. Et si vous êtes d'accord, je donnerai plutôt la parole maintenant à Maria Luisa Parodi. Et peut-être tu peux aussi un peu expliquer ta situation parce que tu nous joins du Tessin. Je suis très heureuse que tu es avec nous. Grazie, grazie Zita. Parlo italiano e vi ringrazio molto per questo spazio. Sono molto contenta di parlare di questa situazione perché l'esperienza che hanno fatto le donne in Ticino con il Covid dà conto molto bene di quanto le voci e le competenze femminili non siano ancora ascoltate e delle pessime conseguenze che poi succedono e che si verificano per il fatto che queste voci non sono state ascoltate nella fattispecie e di quanto ancora siamo lontani a 50 anni dal diritto di voto, dalla democrazia intesa come una rappresentanza equa degli interessi di tutto il popolo, non solo di metà del popolo. Qui in Ticino col Covid abbiamo dovuto fare i conti molto presto perché sapete siamo vicini alla Lombardia, in febbraio la situazione in Lombardia era già molto grave e quindi abbiamo, come dire, avevamo già una situazione, vedevamo già arrivare i problemi prima del resto della Svizzera e poi le fragilità delle condizioni del lavoro femminile qui in Ticino sono molto più marcate rispetto al resto del paese. E la Federazione delle Associazioni Femminili Ticinesi, come la CLAFT di cui parlava Mary, in Ticino si chiama FAFT, però in Ticino è da qualche anno anche aderiscono anche uomini e sono uomini anche nel comitato, si è attivata praticamente subito quando ha cominciato l'azione dello Stato Maggiore di condotta cantonale, così è definito l'organo che qui in Ticino si occupa. Maria Luisa, posso interromperti per un secondo per chiedere se qualcuno ha bisogno di una traduzione? Braucht jemand ein bisschen Übersetzung zu dem, was Maria Luisa Parodi bisher gesagt hat? Also sie will die Situation im Tessin zu Covid erläutern, weil sie schon im Februar Schwierigkeiten hatten, weil sie gesehen haben, dass von der Lombardei her Übertragungen auch in die Schweiz kamen und wird uns jetzt weiter erläutern, was sie da unternommen haben. Also wenn da Übersetzungswünsche sind, dann bitte jeweils wieder sagen und wir werden da versuchen, Maya macht das im Chat schon wunderbar, ein paar Stichwörter auch auf Französisch hineinzugeben. Allora Maria Luisa, tu puoi andare avanti, grazie. Ditemi se preferite inglese o se va bene così fare la traduzione. Ok. Dicevo che in marzo, quindi subito, molto presto, abbiamo denunciato il fatto che le donne sono scomparse dai media, sono scomparse dalla scena pubblica, nelle conferenze stampa non ci sono mai state donne e soprattutto c'era questo linguaggio militare in tutta la comunicazione. E man mano che venivano pubblicate le misure di sostegno, si vedeva sempre più chiaramente che non c'erano misure adatte, come dire, o mirate al lavoro femminile e si dava per scontato che le donne avrebbero continuato a lavorare a sostenuto con il loro lavoro gratuito o rinunciato al lavoro remunerato per occuparsi della famiglia e dei figli. Quando a inizio aprile poi il governo ha annunciato che avrebbero lanciato dei tavoli di rilancio economico, allora l'associazione, la federazione, è partita con la campagna Ripartire dalle donne,
che posso darvi, vi darò dopo il link. E abbiamo chiesto pubblicamente al governo che le competenze femminili fossero incluse in questi tavoli di lavoro, che questo rilancio economico fosse pensato in ottica di genere, per assicurare appunto che la ripresa potesse essere sostenibile e poi evitare quei rischi che ormai tutto il mondo aveva già messo in evidenza, sul fatto che c'erano dei rischi concreti che la parità facesse passi indietro, e che si avviasse poi una raccolta sistematica di dati statistici disaggregati per genere. Questo ci sembrava molto importante per poter preparare poi degli interventi mirati. Ora, noi abbiamo fatto queste richieste convinte che, diciamo, ci sono dei forti valori di democrazia in questa questione e di rappresentanza, per cui eravamo convinte che il governo fosse intenzionato a costruire dei tavoli di consultazione sociale ed economica trasparenti e che i media avrebbero dato spazio subito a queste istanze, perché era quello che stava succedendo in tutti i paesi d'Europa, in tutti i paesi, in Francia, in Inghilterra, in Spagna, in Italia. Le donne hanno fatto lo stesso tipo di, come dire, richieste molto presto, e i media hanno fatto un grande lavoro per dare spazio. Ecco, queste due convinzioni per noi si sono rivelate però infondate. Noi ci siamo molto illuse su questa cosa, perché poi sono passati 6 mesi e oggi siamo in settembre e ci siamo rese conto che, nonostante il nostro appello fosse stato sottoscritto da 1600 persone, nonostante la federazione abbia 25 associazioni che ne fanno parte, insomma è un peso politico comunque, non solo sociale, oggi noi non abbiamo una risposta politica e non abbiamo neanche alcuna informazione pubblica sul lavoro di questi tavoli, cioè su quali argomenti si sta lavorando, su quali temi, su quali persone stanno partecipando e che valore politico o giuridico avrà il prodotto di questi tavoli. Ora, questo naturalmente, come detto, è molto diverso da quello che è successo in altri paesi, e questo è un peccato, perché invece in altri paesi, in tutta l'Europa direi, un po' come quello che diceva Mary, cioè l'Europa sta pianificando una ripresa tenendo conto dal punto di vista economico e sociale quanto sia necessario chiudere i gender gap. Noi non l'abbiamo nemmeno considerato questo aspetto. Pone interrogativi in merito alla trasparenza della politica, alla rappresentanza della politica. E poi, come dicevo prima, abbiamo avuto purtroppo adesso la pubblicazione dei dati del lavoro, e le donne ticinesi hanno pagato un prezzo altissimo, molto più alto che nel resto della Svizzera. In Ticino la perdita degli impieghi è la più alta del paese ed è tutta concentrata sul lavoro femminile, e non si registra un recupero di questo lavoro dopo il lockdown, cosa che invece nel resto della Svizzera si verifica, e quindi noi siamo molto preoccupate che questa perdita di lavoro, questo danno, siano danni permanenti che non ripartiranno dopo la ripresa. Quello che a noi sembra e che credo che sia importante dire è che quando ci sono queste crisi, il sistema economico e sociale, facendo affidamento sul lavoro gratuito delle donne, in pratica permette all'agenda politica di non cambiare le priorità, cioè nel nostro paese la questione della parità è considerata come una rivendicazione sociale di diritti femminili e non un elemento anche di rilevanza politica. E quindi in questo momento di crisi dall'agenda politica esce la questione sociale. Invece questo è un grave errore che ci rischia anche di far rimanere molto indietro nel confronto internazionale, oltre a danneggiare le donne nel nostro cantone in particolare, e siamo preoccupate perché se dovesse ripartire la pandemia
o se dovessero moltiplicarsi queste quarantene obbligatorie, noi non abbiamo messo in campo nessuna rete di protezione, per cui ci saranno dei peggioramenti della situazione. E ci preoccupa anche perché questo, diciamo, questo atteggiamento politico non è completamente incoerente con gli obiettivi della Confederazione in materia di sviluppo sostenibile, in materia di manodopera qualificata, il potenziamento della manodopera qualificata e poi della conciliabilità lavoro-famiglia, no? Perché sappiamo che questi sono degli argomenti in cui la Confederazione si è molto impegnata, ma in questo momento era il momento di dimostrare, no, questo impegno. Cosa dobbiamo farci per farci sentire? Cosa dobbiamo fare per farci sentire? Secondo me non dobbiamo scoraggiarci e dobbiamo continuare a pensare che siamo dalla parte giusta della storia e che dobbiamo rispondere a questa mancanza di democrazia con ancora più democrazia. E questo è una cosa che dobbiamo fare anche con molta creatività, credo, ma vorrei portare l'esperienza, anche qui, un'altra esperienza del Ticino che speriamo possa aiutarci in questo momento. In Ticino abbiamo l'Agenda 54 Donne Elettrici, che è un progetto fondato sulla relazione tra il Parlamento e le associazioni femminili. È un po' quello che diceva, un esempio simile a quello che faceva prima Mary. Questa forma di lobby tra priorità dell'agenda delle pari opportunità e parlamentari. Noi usiamo un metodo di relazione per cui le gran consigliere e i gran consiglieri a ogni legislatura dichiarano il loro impegno per l'agenda, ci assicuriamo che rappresentino tutte le parti politiche e con loro cerchiamo di lavorare in Parlamento affinché queste priorità che ogni 4 anni vengono riviste non perdano di focus. È chiaro che il Parlamento qui in Ticino, non so se è la stessa esperienza degli altri cantoni, è stato paralizzato durante il Covid, non si sono più riuniti, poi c'è stata la pausa estiva e adesso si ricomincia con la regolare attività. E quindi quello che bisognerà fare, che facciamo, che stiamo per fare, è di riprendere in mano le priorità dell'agenda, cambiarle completamente e cercare di portare il focus prima di tutto su queste statistiche disaggregate. Questa è una cosa fondamentale, in tutti i paesi sta diventando un'emergenza, una necessità enorme. Abituarci a ragionare sulle variabili economiche guardando separatamente uomini e donne. Cerchiamo di far capire e di esigere che l'impatto delle misure che sono state attuate nella spesa pubblica vengano analizzate considerando il diverso impatto che hanno su uomini e donne, perché la politica economica non è mai indifferente per uomini e per donne. In questo momento in particolare, e su questo bisogna lavorare molto, e poi di potenziare gli impegni che il Cantone ha già preso nella conciliabilità, perché nella conciliabilità lavoro-famiglia il Ticino 2 anni fa ha preso un impegno molto forte e si è profilato molto bene, era all'avanguardia, ma poi questa cosa non ha avuto seguito, il seguito che noi ci aspettavamo. E questi traguardi, insieme all'altro aspetto, che è un po', come dire, una conseguenza, ma anche l'origine di tutte queste difficoltà, il fatto che ci siano più donne rappresentate nei processi decisionali in tutti i campi, sono quei traguardi, secondo noi, ma penso secondo tutte noi oggi, che bisogna raggiungere per raggiungere la possibilità a 50 anni dal diritto di voto di spiegare pienamente questi diritti civili e politici delle donne in coerenza con una vera democrazia, perché tutti questi problemi che stiamo avendo, alla fine, ripeto, secondo me dipendono dal fatto che la rappresentanza del popolo non è ancora veramente, degli interessi del popolo non è ancora veramente correttamente ed equamente agita. Ecco, io ci tenevo a dare un po' questa esperienza,
del fatto che appunto il Covid ha messo veramente in evidenza quanto ancora dobbiamo lavorare e speriamo che questo anniversario ci riporti un po' di attenzione insieme a quello che abbiamo vissuto per la pandemia. Grazie. Grazie Maria Luisa. Tu as parlé de la situation que vous avez lancé un appel au gouvernement tessinois d'avoir, de savoir qui sont les experts qui parlent, quelle est la base de la discussion et où sont les femmes expertes qui parlent aussi. Et moi, je sais qu'au niveau au niveau suisse, il y avait aussi cet appel envers le gouvernement national, le gouvernement fédéral. Et selon mes informations, cet appel n'avait auch nicht une suite. Alors, les femmes font des appels et elles ne sont pas entendues. Et même, on ne reçoit même pas une réponse. Et ça, je pense que c'est vraiment, comment je dirais, difficile. Also, das ist zumindest schwierig. Es ist, ich finde, es ist auch unanständig. Parce que si on écrit une lettre, on a droit à une réponse. Et puis, tu as dit qu'il faut agir d'une manière encore plus démocrate et puis plus créative. Et j'aimerais bien lancer la discussion dans notre ronde. Qu'est-ce que nous avons comme idée? Quelles sont les pistes que nous pouvons suivre que ces appels ne sont pas perdu. Also wie können wir vorgehen, dass diese Appelle nicht einfach quasi verhallen? Qui aimerait bien intervenir? Ou bien poser des questions à Maria Luisa oder an Maria Luisa Parodi noch Fragen zu stellen? Mary, il faut allumer le micro. Marie-Louise, je vais poser en anglais parce que Marie-Louise, elle comprend plutôt l'anglais que le français. Ça va? Si je pose en anglais? You can try in French, Mary. Okay. Pour moi, je suis lobbyiste. Je lobby dans tous les sens tout le temps. Mais je pense que quand même, il ne faut pas oublier ce groupe We Advance Women in Swiss Business, parce que là, il y a 60 d'entreprises internationales et puis les multinationales sont importantes pour la Suisse. Donc, je pense aussi on doit faire un petit peu de lobbying avec eux si on veut voir les changements. Parce que dans l'état actuel, c'est difficile de changer tout un système patriarcal. Mais dans ces We Advance, il y a beaucoup de choses qui se passent qui sont intéressantes parce que je ne vois pas autrement comment déplacer ce discours. N'est-ce pas? Io sono d'accordo, Mary. In particolare seguo molto Advance, dicevo prima a Krista che ieri ho partecipato a questo loro, alla presentazione del loro rapporto. È molto importante che le aziende, trovo che sia veramente importante che le aziende accettino questo sistema di benchmarking e si confrontino e diano questo risultato delle best practice verso l'esterno. E poi noi, come diciamo, dall'esterno possiamo valutare questi progressi nel tempo. È un lavoro formidabile che andrebbe fatto come modello applicato in maniera diffusa sulla Svizzera, magari anche per aziende più piccole che
ci piacerebbe provare a fare in Ticino per le aziende anche più piccole, si può immaginare. Nel caso della lobby c'è un aspetto che riguarda il settore privato, che è questo, ed è questo probabilmente la migliore best practice, sono d'accordo con te. E poi c'è la questione del lavoro dei parlamenti e del lavoro dell'istituzione pubblica, perché io trovo che siano due universi che devono comunicare tra di loro, ed è la loro comunicazione che fa andare avanti le questioni di genere, perché guarda cosa è successo con questo dialogo salariale. Il dialogo salariale doveva essere la comunicazione tra il settore privato e lo Stato ed è fallito. Io penso che se noi riusciamo a influire anche sul dibattito politico, e facendo in modo che nel dibattito politico uomini e donne rappresentino le istanze, in termini di giustizia e di equità, i progressi diventano più veloci. È chiaro che deve essere un lavoro trasversale di tutte le forze politiche, questo a volte non è facile, perché ci sono dei partiti chiaramente che sono più attivi in questo genere di politiche, in questo genere di argomenti, altri che hanno più resistenze interne, e il dialogo tra di loro è difficile. Però nella nostra esperienza ci sono delle possibilità. E le donne nei parlamenti, quando sanno di poter contare sulle associazioni fuori che le sostengono, secondo me sono più sicure, sono più proattive. Però ecco, è un lavoro che è proprio veramente agli inizi, cioè proprio da fare, e ogni piccola conquista non è mai consolidata, perché alla prima crisi si torna indietro moltissimo. Grazie Maria Luisa. Die Beobachtung, dass jede Krise für die Frauen wieder die Gefahr bringt, dass wir etwas, was wir schon erreicht haben, wieder verlieren. Allora, le risque de perdre les acquis pour les femmes dans une situation de crise, je pense que c'est évident et très important. Mais la crise aussi nous force à mobiliser des possibilités qui nous manquent. Alors la crise elle-même nous force de nous investir de plus au niveau personnel, au niveau familial, au niveau je ne sais pas où, mais encore plus au niveau politique. Alors, je pense qu'il y a là aussi une difficulté d'agir, parce qu'il nous manque aussi le temps, les énergies. En plus que nous n'avons pas le monnaie d'engager une agence qui agit à notre place. Et toutes ces difficultés font amère la situation. Je pense que c'est pour les femmes très difficile de garder aussi une certaine légèreté, une certaine aussi une certaine créativité, parce que c'est vraiment dur de voir que toutes ces possibilités. Maria Luisa, tu as parlé des postes de travail perdus au Tessin qui ne vont jamais plus être requéris. Et puis, toutes ces difficultés, je pense que c'est assez difficile de nous joindre, de garder aussi cette bonne humeur, le bon sens d'agir. Et puis, j'aimerais bien avoir encore une autre explication de la part de Mary
comment tu vois le lien entre ces lobbying envers l'économie internationale et notre politique suisse? Comment tu peux voir que ces deux mondes peuvent joindre et qui sont les personnes qui peuvent faire ce pont? Écoutez, moi je suis toujours très choquée, par exemple, par le congé paternité. On vient d'accepter 10 jours congé paternité, tandis que IKEA et Migros, je pense, sont en train de donner entre 6 semaines et 3 mois, parce que eux, ils comprennent bien que de donner un congé paternité est attractif pour attirer les bons employés. Je pense, moi je suis toujours dans l'éducation, la formation. Je vois peu de politiciens qui ont vraiment des liens avec les multinationales. Mais en même temps, je vois peu de multinationales qui sont en train de dire, écoutez, nous, on veut changer le système en Suisse parce qu'on veut avoir des femmes dans notre conseil d'administration. Mais c'est clair. On sait très bien maintenant que la diversité du conseil d'administration est un atout parce qu'on a plus de femmes dans le monde pour commencer, mais parce qu'on a tout le monde avec les avis différents. Donc, par où commencer? Moi, j'ai fait dans ma façon, dans toutes les organisations où je suis, comme Marie-Louise, je pense, avec CLAF, avec politicien.ch. Des fois, quand même, c'est comme si on fait le saut d'oreille parce que c'est pas un manque de volonté, c'est un manque ils n'entendent pas. On n'entend pas parce que c'est quelque chose assez nouveau. Donc, je pense peut-être qu'il faut plus de contact avec les médias, que les médias améliorent leur jeu. Les médias, en fait, on m'a appelé récemment quand j'étais présidente du CLAF pour me demander ce que je pensais de pas mansplaining, mais l'autre, les hommes qui prennent beaucoup de place dans le transport public. Et évidemment, la première chose que je leur dis, je dis, écoute, moi, je ne suis pas un sociologue, donc un anthropologue, donc je les ai envoyés chez des amis à Neuchâtel, Artemia, Ségolène Chavannes et Églantine Jamais. Et puis, c'était elle qui était nommée dans le journal. Mais je pense que, comme a dit Madame de Saint-Gallen, c'est le moment pour tous les différents groupements de se mettre ensemble. Moi, j'avais pensé récemment, j'étais ce week-end, je n'ai pas encore dit au BPV, mais j'étais à l'Assemblée des délégués de le BPV Suisse. Il y a quand même 2500 femmes dans cette organisation. Et ça m'a frappé qu'il n'y a pas des groupements intercantonaux qui peuvent mettre en place les bonnes pratiques. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à une façon d'avoir quelque chose intercantonal où on peut se mettre ensemble. Je sais que c'est très compliqué au niveau de la langue. Je sais ça, je sais qu'on vit en Suisse, mais si on ne commence pas à se mettre ensemble, peut-être les universités aussi, Saint-Gallen doit se mettre peut-être avec nous dans le canton de Vaud pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Je pense qu'on est ensemble, on est fort. Mais il y a une chose aussi qui m'a beaucoup frappée, c'est que les femmes, des fois, dans les situations dans lequel on se trouve, tout le monde est en train de tellement lutter qu'on oublie le fait qu'on est là pour la cause. Et la cause, c'est la cause des femmes. Donc, il faut vraiment que, comme femme, peut-être aussi qu'on se met ensemble un petit peu plus. Là, il y a un petit boulot à faire, il me semble. Merci beaucoup, Mary. Moi, j'aimerais bien aller dans la dernière ronde. Qu'est-ce que nous avons appris pendant cette heure? Qu'est-ce que nous pouvons dire aux femmes? Quels sont les moyens à prendre? Quels sont les essais à faire? Also, wenn wir jetzt in die Schlussrunde gehen und fragen, was würden wir den Frauen empfehlen? Was für Möglichkeiten sollen sie wahrnehmen? Was ist da wichtig?
peut-être Maria Luisa. Sorry, Zita, I didn't really get the question. Can you repeat? Sorry about that. Je n'ai pas bien. Okay. Thank you, Maria. scusate, stavo ascoltando Mary prima quando parlava dei media, quando parlava di Fiete Telefona. Eine instabile Internetverbindung. Jetzt geht's wieder. Mi senti? Mi sentite? Oui. Quando parlava appunto della telefonata dei media, a cui spesso diciamo, ma guarda, io però non ho questa competenza specifica, questa cosa merita un'altra persona che è più competente di te. E voi sapete che quando le donne vengono invitate al tavolo delle decisioni o vengono invitate sul palco, molto spesso dicono, ma io che cosa posso portare in questo, che contributo posso portare? E così poi ci dicono che noi non siamo abbastanza, we don't lean in, no? Come diceva Sheryl Sandberg. Ora io credo che questo approccio delle donne invece sarebbe da portare a tutta la società, cioè dovrebbero essere anche gli uomini che si domandano che contributo posso portare io, perché questa, diciamo, questo diverso approccio alle cose farebbe sì che in poco tempo il fatto di avere cura anche del risultato del tuo lavoro, dell'impegno degli altri, avere cura diventa il centro del nostro modello di valori. Allora io credo che bisogna andare in quella direzione lì, cioè cambiare il nostro modello economico, aiutare questo sviluppo della sostenibilità perché ci porta in quella direzione lì, e cercare di rendere la cura attraente per gli uomini e l'economia attraente per le donne, e cambiare questa divisione tra ruoli maschili e ruoli femminili. Questa è naturalmente una rivoluzione culturale importante che ci vorrà tempo, ma per farla accelerare bisogna avere più donne nei luoghi decisionali. Quindi le campagne che si fanno per avere più donne in politica, più donne nelle aziende, più donne, è lo strumento che dobbiamo seguire per arrivare poi a liberare sia i maschi che le femmine da queste gabbie culturali. E se dovessi scegliere una cosa su cui puntare, su cui diciamo tutte le donne svizzere dovrebbero puntare, è battere i piedi per avere la sedia al tavolo subito, il più presto possibile. Grazie Maria Luisa. Also, der Aufruf, Frauen nehmt Platz an allen Tischen, wo diskutiert und entschieden wird, werdet selber diejenigen, die auch mit entscheiden, und schaut, dass die Medien euch hören. Est-ce que Mary, tu as encore un conseil ou bien un vœu que tu peux nous donner? D'abord, j'aimerais bien juste mentionner de nouveau le travail qu'on a fait avec les femmes en politique dans le canton de Vaud, politiciens.ch. C'est quelque chose qui peut être répandu dans toute la Suisse, pourquoi pas. Le fait qu'on a mis ensemble toutes ces femmes de différents partis qui arrivaient à être d'accord que la problématique des femmes, peu égale quel parti on vient, c'est toujours les mêmes problématiques. Et je trouve que ça, c'est un modèle qui peut être un petit peu montré dans d'autres cantons. Ça, c'est une chose. L'autre chose, j'aimerais bien parler de l'école de l'égalité qu'on a dans les cantons francophones. C'est Bern avec les cinq cantons, les cinq francophones. On a l'école de l'égalité qui a été mise en place il n'y a pas si longtemps. Et je pense que c'est très intéressant ça. Nous, dans le canton de Vaud, de nouveau, Cécile Amarel, elle est beaucoup en train de travailler au niveau de l'éducation et les filles et le STEM. Science, vous savez, science, qu'est-ce qu'on dit en français, MINT.
Mint. Hein? Donc, je pense que ça, c'est les filles qui veulent devenir ingénieurs, les filles qui veulent... parce qu'il faut qu'on change tout le discours. Et pour moi, là, le travail qu'on a fait et qui doit être fait dans tous les cantons avec les professeurs des jeunes enfants. Parce que si les professeurs des jeunes enfants ne comprennent pas la problématique de ce qu'ils sont en train de faire avec les enfants à un très jeune âge, rien qui change. Donc, pour moi, les écoles, l'éducation des professeurs, on a compris dans le canton de Vaud que quand on prend des cours pour devenir dans la haute école pédagogique, pour devenir professeur, qu'on a la possibilité de prendre certains cours au niveau de la diversité, mais ce n'était pas obligatoire, ça doit être obligatoire. Et l'autre chose, au niveau des différences culturelles, ce n'était pas obligatoire. Et nous, on vit dans le canton de Vaud, dans un canton très multiculturel, donc on n'a pas seulement la problématique filles-garçons, mais on a aussi des situations, des cultures différentes qui regardent différemment le travail de la femme, le travail de l'homme, n'est-ce pas? Donc, pour moi, l'éducation, ça peut être vraiment bien regardé. Le travail qu'on a fait dans le canton de Vaud à ce niveau, je pense que... je ne sais pas ce qui se passe dans notre pays, mais il faut qu'on ait un genre de système qui regarde ça. Et une chose finale que j'aimais bien dire, que j'avais dit avant à Zita, c'était dans le secteur public, par exemple, au niveau de l'égalité, il y a des échelles de salaire. On peut regarder un petit peu. Il y a des instances si les choses ne marchent pas. Mais dans le système privé, c'est pas la même situation. Donc, je pense que j'avais suggéré au Bureau de l'égalité, est-ce qu'il y a une étude qui a été faite pour regarder le système public, secteur public par rapport au secteur privé, et voir ce qu'on peut faire pour augmenter les possibilités d'avoir la transparence dans le secteur privé. OK. Merci beaucoup à Mary et à Maria Luisa pour toutes ces bonnes idées, tous ces liens qu'elles aimeraient faire. Et je rappelais qu'il y a aussi un lien qui s'appelle Association CH2021, parce que ce projet qui regroupe toutes les activités pour l'année prochaine, c'est important de nous joindre, de nous parler, de nous rencontrer pour voir que ce jubilé sera en faveur des femmes, en faveur de la démocratie. Maria Luisa und alle, die sich zu verbinden, nämlich über den Verein CH2021, weil die Vorbereitungen für das nächste Jahr, das Jubiläum des Frauenstimmrechts, ist auch eine Möglichkeit, sich zu verbinden, um sich zu informieren, um sich zu inspirieren, damit das nächste Jahr ein Frauenjahr wird und ein Demokratiejahr. Und deshalb danke ich euch ganz herzlich für ihr Dabeisein. Et je vous souhaite une bonne continuation et que les femmes soient entendues, auf dass die Frauen gehört werden. Au revoir.